Bonjour, je m'appelle Nadège. J'ai décidé de faire construire une micro-crèche avec Natilia dans la région donc, du Béarn. J'ai beaucoup étudié différents types de construction et du coup j'ai choisi Natilia par rapport au concept qui développait l'ossature bois, la maison un peu écologique et puis aussi l'équipe de Pau qui avait déjà une expérience dans la construction de micro-crèches. C'est un bâtiment qui fait un peu plus de 140 mètres carrés, qui est vraiment équipé pour la micro-crèche. Une construction micro-crèche est très entourée par tout ce qui est PMI, donc forcément on a des règles de bâtiment assez drastiques. Ça reste une maison, mais vraiment équipée professionnellement pour l'accueil des enfants en micro-crèche. Comment fonctionne la micro-crèche? Donc c'est comme une grande crèche, sauf qu'on est sur un petit effectif de 12 à 14 enfants. On peut accueillir jusqu'à 20-25 familles, mais on est limité à 12-14 enfants par jour. C'est comme la vie dans une maison. Du coup, pour les encadrer, actuellement, on est 5 personnes. Donc, il y a moi qui suis gestionnaire. Il y a Elisa qui est mon éducatrice de jeunes enfants. J'ai Julie qui est auxiliaire de puériculture. J'ai Zoé qui est CAP petite enfance, donc on appelle auxiliaire petite enfance. Et Chantal qui est aussi CAP petite enfance, auxiliaire petite enfance. Avant d'avoir ce projet de micro-crèche, j'ai vraiment eu un parcours assez atypique. J'ai eu des jumeaux qui m'ont pris quand même pas mal de temps et j'ai fait le choix de travailler du coup à la maison avec d'autres enfants. C'est là que j'ai connu un petit peu le métier de la petite enfance. Très vite, moi je me suis intéressée parce que déjà pour notre construction de maison, on s'était un petit peu intéressé aux maisons en ossature bois. J'ai regardé s'il y avait une agence Natilia. Je vais pas vous cacher que j'ai regardé les commentaires sur Google qui étaient très positifs sur l'agence de Pau. Je me suis mis très vite en contact donc avec monsieur et madame Bégin. Le rapport s'est tout de suite fait, ils ont compris ce que j'attendais. Eux, ils avaient l'expérience de ce qu'ils avaient pu faire avant, donc ils ont aussi pu m'accompagner. Du coup, moi, je recommanderais sans hésiter Natilia ce que j'ai déjà fait. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé à des collègues qui construisent des micro-crèches un peu plus loin sur Pau. Donc, les trois mots qui caractérisent la crèche, c'est simplicité, lumineux et environnement.